Patrick Bruel ne s'attendait pas à une fin si rapide et heureuse. Le 3 septembre 2021, alors qu'il est à Los Angeles pour célébrer les 18 ans de son fils aîné, Oscar, avec son deuxième fils, Léon et leur maman Amanda Sturz, son téléphone vient mettre un coup d'arrêt à sa soirée. En effet, les informations de Closer, en kiosque vendredi 10 septembre 2021, s'y estime Hervé Temim, son avocat, qui vient lui apprendre la bonne nouvelle. Il lui annonce que les deux plaintes pour agression, exhibition et harcèlement sexuel qui le visaient ont été classées sans suite par le parquet de Nanterre. Un énorme soulagement pour le chanteur qui s'était imaginé le pire. Selon une source proche de l'enquête, le parquet a estimé que le dossier manquait de pièces pour caractériser l'infraction pénale. L'artiste ne s'attendait absolument pas à ce non-lieu. Dans sa tête, il s'était imaginé le pire scénario et s'était déjà préparé à devoir faire face à la justice et un déferlement de haine. Tellement heureux de cette décision, il n'a pas hésité à appeler de nombreux proches pour leur rappeler qu'il avait eu raison de leur dire qu'il n'avait rien fait et qu'il était innocent. Patrick Bruel a toujours clamé son innocence depuis le début de l'enquête. Patrick Bruel se sentait être la victime d'un lynchage. Pour rappel, s'il était poursuivi par la justice CIST parce que deux masseuses avaient porté plainte contre lui en septembre 2019. Les deux femmes lui reprochaient de leur avoir demandé une prestation à caractère sexuel et d'avoir refusé de porter un sous-vêtement jetable. Des faits qui ont toujours été niés par le principal intéressé. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 10 septembre 2021 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur kiosque mag.